Je t'ai jamais venu dans une librairie. Les livres, ça m'intéresse pas trop. Je lis souvent. Oui, ça m'arrive. Je lisais seulement quand les profs, ils demandent de lire un livre ou... C'est pas trop mon kiff, non. C'est pour avoir de l'imagination et sauf que moi, j'en ai pas trop. Moi, c'est la concentration. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime lire, mais je ne trouve que je n'ai pas assez de temps pour lire. Non, parce que j'ai du mal à me concentrer dans une lecture. Je me perds souvent ou j'oublie même le début. Tout le temps. Dès que je peux, en récréation, je prends un livre et je lis. Je lis dans mon téléphone, il y a une application. Ça dépend, en fait, ça dépend de mes humeurs. Je lis des histoires d'amour. C'est souvent des bouquins qui ont un rapport avec l'histoire. Des livres qui apprennent des choses, pas forcément avec une histoire. C'est juste de s'y mettre qui est compliqué, mais après, une fois qu'on rentre dedans, c'est bon. Après, il y a certains types d'auteurs que je ne peux pas lire parce que la description d'une guerre pendant 500 pages... Je regarde pas l'auteur du livre, à part si ça m'intéresse. Je savais qu'il y avait les éditeurs, les écrivains, enfin ceux qui fabriquaient le livre, mais je savais pas grand-chose de tout ça. Je savais que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait plein de choses à faire, tout ça, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes. Le métier d'auteur, c'était plus une personne qui était dans une pièce, qui écrivait, qui avait une autre personne à côté qui lui donnait des idées et qui gagnait assez bien leur vie quand même. Moi je pensais que c'était la personne vient présenter son livre, l'éditeur il dit s'il le veut ou non et c'était parti. Je pensais qu'on devait corriger notre propre faute. Je pensais pas que éditeur ça servait à ça quoi. Le métier d'éditeur pour moi, je le voyais un peu comme il n'y a personne derrière, c'est plutôt des ordinateurs tout ça qui s'emploient à ça. En fait je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient sur un seul livre.